brigade n'est pas finie. J'ai pris ce canon, Jean-Louis. Sans blague, avec qui? Tout seul. Quoi? Oh, crénom, faut que ça s'arrose un coup comme ça. T'as du schnick? Ah oui, bouge pas, tiens. Tiens. Un autre. T'as compris maintenant pourquoi je gardais mon ourson pendant que tu faisais la cour aux filles? Hein? C'est l'âne! L'âne! La victoire est à nous! Va t'en foutre, Léon Brois, tu vas bouffer du fer! Bravo, Cognet! Je te fais inscrire pour un fusil d'honneur. Merci, capitaine. C'est Malouison qui va être content en apprenant ça. Suivez-moi, les gars. Gagnons par le travers. La compagnie avance trop vite. Ils vont se faire couper et sabrer par les Hongrois. Ça c'est fait. Citoyen général, c'est l'homme que je vous ai signalé. Celui qui a pris à lui seul un canon autrichien cet après-midi. C'est donc toi. Ton nom? Jean-Roch Coignet, grenadier au 96e. Tu es inscrit pour un fusil d'honneur. Merci, mon général. Après les hauts dignitaires, les savants, les officiers, moi, simple soldat dans la garde, je fus le premier appelé pour recevoir la croix de la main même de l'empereur. Comme tant d'autres ce jour-là, Jean-Roch Coignet fut pris au piège de la gloire. Paris les célébrait. Comment tu l'as gagné, cette breloque, mon beau grenadier? En prairial, en 8, ma toute belle, au pays des joueurs de mandoline, en prenant un canon, pas vrai, les gars? Alors, mieux fait de prendre une mandoline, mon gros lapin. Bon, des compliments. Bravo. Félicitations. Vous êtes sympa. Tomé. La croix vous va très bien. Ah oui, bah, c'est surprenant ici, tout le monde me connaît aujourd'hui. Oh, c'est à cause de ta médaille, mon Hugo. Demain, personne ne te connaîtra. Oh, du donc. Continue, grenadier. C'est vrai que l'empereur t'a pincé l'oreille. Oh, ça, c'est vrai. Comment que ça se prend, un canon? Eh bien, un canon, je vais être comme fier de vous. Vous êtes l'homme du jour. Vous êtes un héros. Félicitations. Ils ont même pas eu le temps de sortir leur foutu sabre que je te les avais épinglés, terre tous comme des papillons sur un bouchon. Pardonnez-moi, messieurs, voulez-vous me faire l'honneur de trinquer avec moi, légionnaire? Ah ben, avec plaisir, bonjour. Alors, restaure, Jean-Roch, tu nous diras la suite. Nous autres, on va danser avec ces beautés qui est toute ma vie. Prends un petit tapenard de la tourtille où j'ai mes habitudes. Allez, allez, allez. Je te revois quand, mon beau chevalier? Quand tu voudras, ma jabote. Demain soir, ici, où on est? Demain soir, ici, à la même heure. Bonsoir. Il me semble que votre montre soit arrêtée, grenadier. Je vous remercie, bourgeois. Elle m'a toujours donné satisfaction. Istres, c'est un bel objet. N'est-ce pas? Ça vient sans doute de chez Brévent, faubourg Saint-Honoré. Non pas. Ça vient du gousset d'un sergent autrichien que j'ai crevé à Marengo. Ma foi, je n'avais pas remarqué que vous étiez un héros. Un premier décoré des grenadiers à pied de la garde. Oh, ce n'est pas une guigne.
Et de la main même de l'empereur. Hein. Et ma foi, grenadier, faites-moi donc l'honneur de trinquer avec moi pour célébrer cet événement. Pourquoi pas? Deux demi-tasses. Ainsi, vous étiez à Marengo. Ah, j'y étais. Et je peux même vous dire que ce fut une rude journée. Hein. Et c'est pour votre conduite au feu que vous fûtes décoré. Pour ça et pour un canon que j'ai pris à Montebello. Ah. Avec les amis qui étaient là-bas. Ah, bah, ils sont partis. Quel dommage que le grand homme n'ait pas songé à décorer deux ou trois anciens chasseurs de Condé à cette occasion. Vous avez le mot pour rire. Bien sûr. À la vôtre. À la vôtre. Eh bien, au revoir, mon brave. Partez déjà? Affaire urgente. Excusez-moi. Un drôle d'oiseau, hein? Hein? Géant. A toujours 10 sous de gagner.